Coucou, bonjour. Ça fait très longtemps, hein, que je ne vous ai pas fait un coucou. Alors moi j'ai un problème, hein. Vous là, les amis là, hein. Vous que vous considérez là comme mes amis là, c'est pas possible. Vous n'êtes pas gentils, hein. Les oiseaux se cachent pour mourir, hein. Il faut me laisser tranquille. Alors, comme dit le proverbe, à ce moment au Cameroun, je porte ma culotte, ça te sert. Comment moi je peux porter ma culotte et ça te sert? Je suis toute seule et ça te dérange. Il faut arrêter de me marier, hein? Tu ne peux pas me marier, hein? Et maintenant, moi je vous écoute parce que vous êtes avec vos chéris, il faut que je sois avec un chéri. Djanga n'a pas besoin de chéri. Mais néanmoins, je vous ai écouté. Écoutez. Donc, moi, j'ai les amis qui veulent absolument me voir avec les sentiments, quoi. Mais je suis très bien comme ça. C'est pas possible. Là, j'ai écouté. On me dit, il faut t'inscrire à Internet, il faut t'inscrire à ceci. Et alors, moi, c'est écoutez, moi, c'est vous aime, hein, mais vous ne m'aimez pas parce que moi, je sais ce qui se passe, hein, voyons. Alors, toi là, ma boya, toi, tu es venu pour me donner le numéro de téléphone, passer le numéro de téléphone par là, mais va aussi, toi aussi, toi aussi, arrête. Même toi, ma soeur, hein, il faut arrêter ta situation là. Je ne suis pas obligée d'être avec quelqu'un. Est-ce que c'est obligé? Moi, je me sens bien, je travaille. Hein? Je travaille, moi, c'est les INB de l'aimer de demain. Et je me sens formidablement, mais épanouie, quoi. Hein? Mais après, c'est écouter. Je suis allée et j'ai téléphoné. Alors, maintenant, c'est le téléphone où on prend les amoureux. Alors, mais les amoureux, ils se cassent. Hein? C'est ça. Les oiseaux se cassent pour mourir. Ça, vraiment, quand un oiseau, il meurt, il se casse. Hein? Là, ils se cassent pour ne pas montrer s'ils si ont la peau qui belle, si ils ont les mauvaises situations et tout. Et moi, j'ai appelé. C'est quoi qu'il y a aussi quelqu'un de si normal que moi? Mais non. Alors, j'ai appelé. J'ai fait les rencontres de mais vraiment de quelqu'un de charmant, quoi. Je me suis dit, ah, vraiment, j'avais tort, hein, et que mes amis, ils m'aiment beaucoup. J'avais trouvé dans toi, là, ma boya, là. Tu te reconnais, hein, surtout toi. Et puis, j'appelle. Il appelle. Et il me laisse un message, son téléphone et tout, quoi. Et moi, je l'appelle et après, il appelle. Et tout de suite, le contact, il est passé, quoi. Il est passé, le contact. Et puis, je dis, oh là là, quand même, je pense qu'il y a quelqu'un là dans la vie, hein. Eh bien, les jours, ils ont passé, on était mais vraiment dans les, mais dans le feu, quoi. Tu vois, hein. Je me suis dit, Zanga, mais tu es resté comme ça, tu as perdu le temps et tout, quoi. Mais qu'est-ce que tu attendais? Parce que derrière, il y a quand même aussi peut-être quelqu'un. Hein? Ça passe, ça passe, ça passe. Après, un jour, il me dit, je lui montre, mais regarde, il me dit la photo. Moi, je dis, écoute, moi, je suis très connue, tu vois. Je ne veux pas qu'on regarde mes photos partout dans le monde entier, là. Parce que moi, je suis très connue. Je n'aime pas ça, je ne donne pas mes photos. C'est pour cela que je ne vais pas sur Internet. Et parce que c'est ma boya, là, il m'a dit, mais pourquoi tu es toute seule, ton mari? Je dis, laisse-le, je m'en fous de mon mari là-bas. Est-ce que j'ai parlé de ton mari, toi? Donne-moi le téléphone. Et donne-moi, je l'écoute. Donc, on revient. Et puis, il me dit. Je lui envoie encore une autre photo. Il regarde, il me dit vraiment. Oh, t'es jolie. Mais me dit, tout couvert. Tu dis tout couvert, pourquoi? Et puis, je lui dis, tu dis tout couvert, tu veux que je marche tout nu en hiver ou quoi?
Et puis il me dit, mais non, ce n'est pas ça, à tenir les airs. À tenir les airs, quand il fait froid, il ne veut pas mettre les écharpes et tout. Il faut que je masse à tenir les airs. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi là? Et ça commençait à taper dans mon cœur. J'ai dit, ta vie, j'avais dit que ce n'est pas possible. Mais moi, je suis venue là, c'est pour m'amuser et voir un peu. Hein. Et ça fait du bien quand même. Mais quand tu viens le soir et quelqu'un t'appelle, il te parle et tout. Et tu es bien, quoi. Et je suis restée. Mais c'est quoi que c'est trop long l'histoire. Hein. C'est quoi que je vais la couper. Et puis, je vais vous raconter plus tard. Hein. Bon. Et puis, il me dit, mais non, écoute, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit, t'as dit quoi? Moi, je ne ferai jamais ça là. Je ne ferai pas ça. Hein? Je ne ferai jamais ça. Et puis, il me dit que je l'ai coupé l'envie, quoi. Et là, moi, il me dit, ça t'est dit? Ça t'a dit? Et si ça me dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça me dit quoi? Et puis il dit, tu sais, tu m'avais demandé si j'avais déjà sorti avec une femme africaine. C'est quoi la particularité de la femme africaine? Et là, dangereusement, je me suis énervée, mais vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi c'est ça? Pourtant, il était le mignon. Mais moi, j'ai dit, je ne sais pas un homme, je ne sais pas les particularités des femmes. Une femme, c'est une femme, une blanche ou une noire, c'est une femme. Je ne connais pas. Je ne suis pas les, je sais pas moi, je ne suis pas les hommes. Hein. Et c'est toi qui, et je me suis vraiment fâchée et définitivement, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi les questions? Et après, alors, et pour gâter tout, là, pour tout gâter, il me dit, et mon petit cœur, il m'appelle mon petit cœur, mais vraiment, c'est, les oiseaux se cassent pour mourir, hein, les hontes, il y en a même pas. Mon petit cœur, ça te dit, de se montrer en tenir les airs, c'est dit, oh là là, ce n'est pas possible, en tenir les airs. C'est dit jamais, ni ce qui est passé, ni ce qui arrive, ni ce qui est là, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Donc, attention, si les filles, attention, il y a les gens derrière qui ne veulent pas se montrer, dire que voilà, on est ci, on est ça. Vous êtes, faites attention, les hommes et les femmes, essayez pas de blesser les autres. Parce que vous pouvez trouver quelqu'un qui est vraiment faible dans son cœur, pas les forts comme les Djanga Djanga. Il s'est bouleversé et il tombait par terre. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils. Si vous n'êtes pas prêt pour les rencontres, ne le faites pas. Hein? Si vous n'êtes pas beau, restez dans votre coin. Si vous n'êtes pas mignon, restez dans votre coin. Si vous n'êtes pas prêt pour faire quoi que ce soit et que vous avez honte de ton corps, tu viens pas. Mais il ne faut pas avoir honte de son corps parce qu'on ne se connaît. Et tu ne sais pas où tu vas trouver l'amour. Et vraiment, il faut s'accepter et faire des concessions. Voilà, c'est le mot. Donc, les amis là qui vous ne m'aimez pas là, toi là, c'est ma boya. Je vais t'attraper et c'est ça que tu vas voir ce que je vais faire. Tu me donnes encore les numéros de téléphone et tu me dis encore, mais, Djanga, il faut que tu te trouves. Moi, je suis bien. Hein? Ce n'est pas les problèmes. Hein? Ce n'est pas le cœur qui détruit. Parce que vraiment, l'amour, il y en a là-dedans. Et je le garde pour moi toute seule. Parce que c'est même moi, tu as compris. Et ne me donne plus rien. Tu ne t'occupes pas de moi. Hein? Mais c'est ça que tu vas encore venir me dire. Ah, ouais. Mais non, ceci épanouit moi. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis vraiment à très bientôt parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein. À la prochaine fois, je vais vous dire des choses. Mais vraiment, ça, c'est les radios totoires. Hein. Les radios totoires, et je n'aime pas ça. Hein. Mais il y a aussi les choses véridiques, quoi. Alors, maintenant, je vais aller travailler parce que si un peu de les mains demain, elle s'amuse pas avec ce travail. Hein, il faut travailler, sinon elle ne va pas me payer de l'argent. Et en écoutant un tout petit peu de la musique.
Je vous aime tellement. Oh là là. C'est vous, mes amours, hein? Bisous.